prochaine, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la soupe d'idoles. Est-ce que ça se voit qu'à chaque fois je suis trop contente à chaque fois de fumer? Là j'avais prévu, j'aime bien à chaque fois faire des parenthèses, j'avais prévu une autre vidéo pour mercredi, mais si j'ai vraiment envie de fumer la suite, ça sortira vendredi. Ça va faire beaucoup de idols en une semaine, mais c'est pas grave. Allons-y pour le chapitre 5. Chapitre 5, le lever de rideau. Est-ce que c'est cancer? Oula, j'étais pas prête que ça... À la fin de la réunion, Claire m'attrape une nouvelle fois par le bras et sort dans la salle avec moi. Nous quittons le bâtiment pour regagner les allées du campus. La professeure responsable nous a expliqué le fonctionnement de nos cours et de l'université. Elle nous a également présenté l'histoire de l'établissement, son côté prestigieux. Je me sens d'autant plus fière d'avoir décroché cette place d'échange sur les deux proposées par ma fac en France. Il y avait beaucoup de candidats. Mais j'ai bien défendu mon cas lors de l'entretien individuel. Dans la salle ici, il y avait beaucoup de gens de nationalités différentes. Des Américains, des Norvégiens, des Australiens, des Chinois. C'est un véritable melting pot. Je sais pas du tout. Il y a également d'autres Français. Alors, impressionnant, non? Métro, je trouve ça hyper excitant. Ça... Il y a tellement de choses à découvrir encore. Le campus est maintenant bien plus peuplé que tout à l'heure. Je suppose qu'il y a beaucoup de plus d'étudiants beaucoup plus d'étudiants ici que dans notre fac en France. On dirait presque une petite ville. À ce point, je sais pas c'est qui. Claire, c'est quoi? Je suis sûre en entendant mon nom derrière moi et pivote sur les talons par. Ah attends, peut-être c'est Raon, je crois que c'était, sur les talons par automatisme. C'est ça. Oh bonjour Raon. Je savais pas du tout, mais ça m'a fait penser parce qu'elle nous avait dit qu'elle était dans la même école, je crois. Salut Raon. Mais du coup, j'avais un peu une voix grave, c'est pas grave. Raon nous a fait un petit signe de la main assorti d'un petit sourire. Puis repousse ses lunettes sur son nez d'un index pressé. Je viens de faire exactement la même chose. Bonjour, contente de vous revoir. Tu tombes à pic, tu pourrais nous faire un peu visiter le campus? Oui, je peux. Je dois justement aller voir un professeur, je vais en profiter. Elle nous a fait un geste pour nous inviter à la suivre. Je peux te poser une question? Elle acquiesce le visage assez impassible. Ah, ouf. Mais est-ce qu'elle connaît? Oudjai, le visuel de... Écoute, je m'étais pas trompée, mais c'est bien 21st June à bien court dans cette fac, n'est-ce pas? Ron me jette un regard en coin. Je l'ai entendu dire, pourquoi? C'est quoi ce regard là? Je veux dire ça, mais c'est un regard super bizarre. Rien de mal, je t'assure. On l'a croisé tout à l'heure. Ça, c'est ce que tu dis parce que moi, je l'ai pas reconnu. En tout cas, la rumeur dit qu'il est bel et bien dans cette fac. Raon n'a pas quitté son expression blasée. Ouais, oh, descends, ma cocotte. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à rencontrer des stars à tous les coins de la fac. Oh, on n'a rien dit, c'était une question. D'abord parce qu'elles se font discrètes pour ne pas être ennuyées. Prends-nous pour une quiche. Et ensuite parce qu'elles sont quand même rarement présentes. Prends-nous pour une quiche. On n'est pas ici pour ça de toute façon, j'imagine que ça doit pas être simple avec leur emploi du temps chargé. Bah ça. Alors c'est parfait. Non mais elle a un problème. Hein. Nous passons près d'un bâtiment et Raon lance. Là, vous avez un restaurant. Au fait, Raon, je suis désolée de te poser cette question. Tu parles, quand elle commence comme ça, je sais déjà qu'elle n'est pas désolée du tout. Mais pour rebondir sur le sujet tout à l'heure, j'ai comme l'impression que ça t'agace un peu quand on parle de K-pop. Mon dieu Claire, ne sois pas si discrète. Direct, pardon. Je donne un petit coup de coude à ma cousine qui fait comme si rien n'était. En même temps, la question est déjà posée. Moi, je suis pas très fan, c'est vrai. Mais je trouve ça bien que mon pays soit connu dans le monde entier grâce à ça. Ça, c'est aussi une fierté pour la Corée du Sud. Par contre, je n'aime pas les comportements extrêmes et inappropriés de certains fans, qui n'hésitent pas à mettre des gens en danger. Je trouve ça ridicule et gênant. Phew. Elle non plus ne s'embarrasse pas de politesse pour dire ce qu'elle pense. Ça peut... non... ça, je suis bien d'accord avec toi. Elle a totalement raison.
J'aime les K-pop, j'avoue, mais dans le respect de tous les concernés. Je vais bien sûr pas lui dire que mon cousin est dans un groupe. Non, ce serait très con de ta part. Ce qui me pousse d'autant plus à le faire. Raoul sourit. Nous marchons encore un peu, puis notre guide s'arrête. Voilà, je suis arrivée à mon bâtiment. Merci beaucoup pour ce petit tour de campus. Tu peux nous donner ton idée, Cacao Talk. Je sais toujours pas ce que c'est. Je sais pas si ça existe vraiment. Bien sûr. Claire sort son téléphone et prend note de ce que lui dit Traon. J'ai fait de même. Voilà, je t'ai ajouté. Moi aussi, merci Raon, à très bientôt. Elle nous a fait un au revoir de la main, puis disparaît dans le bâtiment derrière elle. Claire pivote vers moi et place un poing sur sa hanche. Dans le genre bien carré, on est tombé sur une championne. Mais elle me plaît avec son petit côté bien ordonné. Bon, moi je commence à avoir faim, on va manger? On pourrait tester le restaurant qu'on a vu tout à l'heure. Super idée. Nous revenons sur nos pattes en divisant. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ça. En divisant gaiement. Il faudrait aussi s'intéresser au club si jamais on veut s'y inscrire. Je m'étonne de n'avoir pas pensé à y vérifier avant, mais j'espère qu'il y a un club de football féminin dans cette fac. Sinon, il faudrait que j'aille m'inscrire dans un club hors du campus, mais je veux pas rester dans un an sans jouer au football. C'est vrai, Claire a la passion du football. Elle jouait d'ailleurs à Paris, et j'allais parfois assister à ses matchs pour l'encourager. Je suis sûre qu'il y aura de quoi faire ici. La fac est immense, il doit avoir des tas de clubs. J'espère bien, et toi, Saïwa, tu penses que tu rejoindras un club? Dis-moi qu'il y a un truc d'art. Je crois pas, non. Peut-être en fonction de ce qu'il y a. Si j'ai un coup de cœur pour un club qui a l'air vraiment chouette sur un sujet qui me passionne. La K-pop, donc, en gros. Non, mais... Non, moi je pensais à autre chose, mais après ça c'est moi aussi. Le sourire taquin de ma cousine me tire un sourire également, alors que je la pousse un peu à l'épaule en guise de protestation. Je ne veux rien entendre à ce sujet, sinon je boycotte tous les clubs de façon préventive. Mais pour l'heure, mon estomac crie trop famine pour que je puisse me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai super envie de tester tous les plats coréens. Je ne vais pas arriver à choisir. Dis-toi qu'en un an, pas besoin d'être pressé, tu auras l'occasion de goûter à tout. C'est vrai. Un an à l'aube de cette année, cela me paraît effectivement très long. Suffisamment long pour accomplir tous mes rêves. Oh, ok déjà. 3 jours ont passé. Il serait plus exact de dire qu'ils ont filé à une vitesse grand V. Profitant de notre semaine libre avant que les cours commencent, Claire m'emmenait visiter Séoul. Nous avons arpenté la ville du matin au soir dans la chaleur humide et étouffante de l'été. J'ai dû perdre plusieurs kilos en litres d'eau avec tout ce que j'ai sué. Sans le précieux ventilateur déjà, j'aurais même fini sans doute entre quatre planches. D'accord, je connais pas cette expression. Et ce, pendant ma cousine, toute pimpante, m'entraînait avec vigueur aux quatre coins de la ville. Elle m'a heureusement acheté une boîte de petits papiers absorbants à passer sur mon visage comme le font les coréennes, comme une... Elle y compris, pardon. Cela m'a aidé au moins à éviter de dégouliner de façon trop visible. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir plein d'endroits que je rêvais de parcourir un jour, après les avoir admirés maintes fois en photo. Et je me suis rendu compte à l'occasion que Séoul était bien plus grande que Paris. Ce qui rend les temps de trajet entre les différentes stations de métro très importants. Malgré tout, nous avons vu de magnifiques palais comme Gyeongbokgung et tous ces monuments. Oh putain, mais stop! Cheongyeong-gung ou Cheongdeok-gung. Je sais pas du tout. Les parcs le long du fleuve Han. Les maisons traditionnelles du. Mais stop! Tu redescends. Bukchon, Anok Village. C'est un mélange des deux, pourquoi pas? Autant l'anglais, j'y arrive mieux. La NCO Tower pour admirer la ville à 360 degrés. Pourquoi j'ai... Maintenant, ok, vous avez compris. D'en haut. Les cadenas accrochés par les amoureux un peu partout sur la montée m'ont rappelé les ponts de Paris avant que la mairie n'y fasse le ménage. Claire m'a glissé que si je me dénichais un copain Séoul, je pourrais revenir en poser un avec lui. Non. Mais je cherche pas spécialement
de petit ami. C'est ce que la vie me réserve. Peut-être que je vais me marier avec un certain homme qui aime bien les cactus. C'est sûr, je rêve de rencontrer un jour le grand amour. Je ne sais où, mais je ne sais pas où il se cache. Peut-être qu'il m'attend en effet à Séoul. Tadada. J'ai toujours aimé le type asiatique et je trouve les Coréens très beaux. Je sais bien qu'il ne faut pas que je me fasse d'illusions ou que je garde les pieds sur terre. Je sais que c'est pas toujours facile pour les familles coréennes traditionnelles d'accepter une belle fille occidentale. Pardon. Je sais aussi que les chances qu'un merveilleux idol me remarque et soit subjugué par moi sont quasi nulles. Mais enfin, c'est où les garçons sont nombreux. Alors qui sait, je peux rêver un peu? Oula, ça m'a fait peur ce changement. Ce soir, nous nous rendrons à la salle de spectacle pour voir le concert de Starstar. Moi, je le dis en entier parce que... Bon, bon, comme ça, vous aurez le moyen de vous moquer de moi. Je suis tellement excitée que j'ai failli ne rien pouvoir avaler de la journée. Bon, déjà, je n'ai encore jamais vu... Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir un de mes groupes préférés en live. Et en plus, ils t'ont invité. Et là, en plus, nous allons avoir le meilleur place qui soit. Ouais, je veux la même chose. Je vibre littéralement d'excitation à côté de Claire montant dans le métro. Relax, relax, tout se passera bien. Si tu tombes d'épuisement à avoir trop usé tes nerfs, avant le début du concert, tu seras bien avancé. Je bug un peu, je crois que je suis pas prête non plus. Elle me retient par le bras avant que je m'installe sur un siège libre en bout de rame. Non pas là, c'est pour les personnes âgées, tu vas te faire chasser si tu t'y mets. Oh, je ne savais pas. Je me le tiens pour dire et je reste sagement au milieu de la rame, où chaque personne qui passe me bouscule sans s'excuser. Claire m'avait prévenu l'autre jour. Je fais donc de mon mieux pour ne pas y faire attention par plus qu'aux discrets regards curieux que les gens nous lancent. Je me focalise plutôt sur ma conversation. Pour revenir à mon excitation par rapport au concert, je peux pas m'en empêcher, je vais essayer de la contenir. Tu peux pas m'en empêcher. Tu vas crier comme une folle, ok, pendant le concert. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attends ce moment. On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est d'être dans la peau d'une fan. Ça, c'est sûr. Mais il faut bien quelqu'un pour garder les pieds sur terre pendant que tu auras la tête dans les nuages. Plus sérieusement, c'est une merveilleuse opportunité. Je crois que je lis trop vite, en fait. En France, on a rarement l'occasion de voir ces chanteurs de K-pop préférés. Tous les groupes ne viennent pas faire ces spectacles en Europe, hélas. Et ceux qui viennent ne le font pas souvent non plus. J'espérais bien pouvoir assister à des concerts en venant d'ici, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Je me sens vraiment privilégiée. Il faudrait que je remercie encore Aniel d'avoir proposé de nous inviter. Tandis que je frissonne, tant la clim dans le métro est forte. Claire rit. Tu veux dire si ces fans hardcore te laissent l'approcher ce soir? Bah... Un peu d'inquiétude de me saisir à cette mention. J'espère que ça ira avec les sasseng, qu'on ne se fera pas assaillir si on a des bonnes places. J'imagine que Colin ne prévoit pas de nous jeter dans la fosse au lion. Nos parents ne lui pardonneraient jamais d'avoir sacrifié sa sœur et sa cousine pour apaiser les fauves. Nous discutons en français dans la rame, comme nous avons l'habitude de le faire lorsque nous sommes à deux. Nous ne haussons pas trop le ton. En effet, autour de nous, pas mal de jeunes filles de Comet semblent se diriger vers le concert de Starstar également. Beaucoup portent des vêtements estampillés du logo du groupe et des étoiles en décoration. Logique. Je repère aussi... Ah mais non, mais... Oh, Lastic. De l'élastique jaune surmonté d'une étoile dans la main. Moi, j'ai rien porté de tout cela. Je n'ai pas osé, je ne possède pas des vêtements aux couleurs du groupe. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, je vais mettre la... Je ne possède pas de vêtements aux couleurs du groupe. Voilà. C'est totalement ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en procurer. Ça semble coûter fortune si on veut tous les culs. Bon. Et puis, il n'y a pas que Starstar, comme j'aime aussi 21st June. Il faudrait que j'investisse dans du... merchandising de ce groupe également. Bah, tu savais à quel point je suis multi-fandom.
Peut-être qu'il y aura un stand où je pourrais acheter quelque chose de Star à la fin du concert. Au début, je n'oserais pas, mais... car je ne voudrais pas trop que mon cousin et ses amis pensent que je suis une fan acharnée. Je préfère avoir l'opportunité de devenir leur amie. Ouh. Lorsque la rame s'arrête avant la discussion à la station ad hoc, prise dans la masse qui pousse comme des forcenés, nous sommes expulsés sur le quai. Le dame âgée qui marmonne quelque chose que je ne comprends pas, mais nous sourit, nous tend des morceaux de pastèque. Je trouve ça très gentil, même si c'est un peu surprenant, car ce n'est pas à Paris qu'un inconnu ferait une chose pareille. Oui, effectivement. Lorsque je fais la réflexion à Claire, elle hausse les épaules en mordant dans le fruit juteux. C'est normal, ici, tu vois, les gens bousculent, mais ils sont très amicaux quand même. Une fois sortis du métro, nous suivons la foule qui se fait plus nombreuse jusqu'à la salle. Il y a des fans partout qui font la queue de manière bien ordonnée. Beaucoup portent des pancartes en plus des laïcs. Tu crois qu'elles font la file depuis combien d'heures? Pas nécessairement beaucoup, car quand tu achètes un ticket debout ici, tu as un numéro d'ordre pour entrer dans la salle. Les gens sont classés en plusieurs files selon ces numéros, et chaque file est appelée à son tour. Ça fait un peu militaire. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir s'installer devant la porte le matin pour rentrer en premier si tu veux une bonne place. Par contre, si tu veux acheter du merchandising officiel, il te faut dépêcher de faire la queue au stand avant qu'il ne reste plus rien. Alors que nous remontons la file vers l'entrée du bâtiment, un homme nous propose du poulet frit gratuit. Je décline en m'excusant. Nous sommes en fin d'après-midi, il fait chaud, pas du tout l'idéal pour manger de la friture. Et puis j'aurais eu peur que ce soit trop lourd dans mon estomac, encore un peu noué, déjà en plus. Je ne voudrais pas être malade en plein milieu du concert. Je n'ai pas faim de toute façon. La chaleur et l'excitation, une certaine forme de stress me coupent l'appétit. Un peu plus loin, des jeunes filles coréennes, le visage maquillé d'étoiles dorées, nous tendent des éventails en plastique. Ah oui, j'avais lu qu'on pouvait recevoir pas mal de choses gratuites, des sponsors ou des sites de fans. Je trouve ça sympa. Déjà qu'elle a tout le temps chaud, donc... À côté de moi, Claire éclate de rire en brandissant l'éventail en forme d'étoile devant elle. Regarde, quelques coïncidences, j'ai reçu celui avec la tête de mon frère. Ça va être surréaliste de m'éventer pendant 2 heures en agitant sa figure sous mon nez. Je jette un coup d'œil à l'accessoire, le visage souriant de Colin est imprimé en couleur. C'est vrai que ça fait bizarre quand on connaît la personne. J'ai pour ma part reçu... Oui. C'est parfait. J'ai pour ma part reçu celui de Agnès. Je sais pas si ça peut changer. Avec des cheveux fuchsia. Oui, c'est vrai que j'ai vu, ils changent. Apparemment, ils changent de couleur de cheveux tous les jours. Et les rangent dans mon sac. Claire, quant à elle, a dégainé son téléphone qui clignote pour signaler la réception d'un message. Ah, Colin me dit que leur manager va sortir pour venir nous chercher. On doit se dépêcher de se poster à l'entrée. Bien vite, Saïwa. Elle me saisit le poignet et me tire à sa suite alors qu'elle se met à courir en zigzagant entre les gens sur le trottoir. Mais on va le repérer comment? Je ne suis pas sûre de pouvoir reconnaître la tête de leur manager. Ne t'inquiète pas, je crois que toutes ces fans fidèles nous indiqueront quand il sortira. Ils doivent sûrement connaître le visage de tous les membres de leur équipe. Quelques secondes plus tard, nous nous arrêtons à côté des barrières derrière lesquelles les agents de sécurité font rentrer les premiers fans. Mon cœur bat à toute allure, et pas seulement de la course. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y avait écrit en fait. Je suis pas concentrée. Des hurlements éclatent soudain partout autour de nous. Qu'est-ce que je te disais, Saïwa? Ça doit être lui. Un homme dans la trentaine en chemise vient en effet de sortir du bâtiment. Il fait un signe amical aux fans, puis son regard parcourt le trottoir comme s'il cherchait quelqu'un. Lorsque ses yeux tombent sur Claire, il use d'un éclat qui indique qu'il l'a trouvé. Il s'approche d'un agent de sécurité et lui murmure quelque chose, avant de nous faire un geste pour nous demander d'approcher. Il se penche par-dessus la barrière alors que nous exécutons. Tu es Yumiko Hak, n'est-ce pas? Tu ressembles à ton frère. Oui, c'est bien moi. Et voici Saïwa, notre cousine. Voulez-vous venir avec moi? Nous ne le faisons pas dire 2 fois. L'agent de sécurité nous ouvre la barrière. Nous nous précipitons dans la salle à la suite du manager sous le regard médusé des fans. Certaines ont dégainé leur smartphone pour nous prendre photo ou nous filmer, je les ai vus. Mais nous ne faisons rien de mal, donc
Tant pis. Le manager de Sir Star nous guide à travers les couloirs. Il se fend d'un léger sourire à notre attention. Je m'appelle... Jun Yongban. Je sais pas pourquoi j'ai bugué un peu, c'était assez facile. Je vous emmène dans les loges où vous allez retrouver Colin. Je vous demanderai simplement de ne pas accaparer le groupe trop longtemps car il doit se préparer. Le concert a lieu dans une heure et ils doivent encore tous passer au maquillage. Josh la tête tandis que Claire s'exclame. Bien sûr, nous ne voulons pas les déranger. Je hoche la tête sans rien ajouter. Après la visite dans les loges, je vous emmènerai à vos places dans la zone réservée aux invités. Merci. Quelques minutes plus tard, nous arriverons bel et bien aux loges et Manager Ban pousse une porte. Dès qu'elle aperçoit son frère, Claire court le rejoindre en agitant son éventail. Regarde ce que j'ai reçu devant l'entrée. Je vais m'inventer avec la tête pendant 2 heures. Colin s'empare de l'enjeu en arquant un sourcil. Ce n'est pas officiel, ça, je crois. C'est fait par un fan club, je pense. Je pénètre à mon tour plus dans la pièce, intimidée. Les 5 garçons sont présents. Nous n'avons pas eu l'occasion de les revoir depuis la première fois à leur appartement. Ginny, Gia et Cola portent ce que j'imagine être leur première tenue pour le show. Aniel et Imchan sont torse nu, occupés à s'habiller. Oups. Je baisse les yeux tandis que le rouge me monte aux joues. Je me dis bien que les fans me tueraient pour être à ma place. En fait, j'ai envie de me dire les deux. Je l'ai pas fait beaucoup rougir. On va faire ça. En plus, j'aime bien Imchan aussi. Mais franchement, si je devais avoir deux préférés, c'est Aniel en premier et ensuite Ginny. C'est trop étrange d'être ici parachuté dans l'intimité de... Je sais pas, parfois, ils utilisent des mots que j'utilise pas pour... Enfin, du coup, je comprends pas. De célébrité admirée depuis longtemps. C'est vrai que ça doit faire bizarre. Je me sens pas tout à fait à ma place et j'espère que notre présence ne les gêne pas. Lorsqu'il se tourne et m'aperçoit, Imjian croise très vite les bras devant sa poitrine. Que j'ai fait ? Il se détend cependant un peu en me reconnaissant et me lance un petit sourire timide. Est-ce qu'il a eu peur que je sois une folle dingue obsédée et prête à me jeter sur lui pour le toucher? C'est pas gentil de faire ça. Bonjour, c'est gentil d'être venu nous voir ce soir. Tout le plaisir pour nous. J'évite de lui révéler qu'en réalité, je bouillais ta place en ce qu'il soit l'heure que de nous mettre en route. Je bug un peu parce que je suis pressée en fait. De voir. Je dis pas non plus que mon appartement parisien, j'ai longtemps rêvé que ce jour arrive. J'espère que vous ne serez pas déçus. Est-ce que pas? Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un de nos shows? Oui. Donc je sais un peu après à quoi m'attendre à un concert de K-pop. Lâche la tête, l'air un peu soulagé. Je comprends pas très bien pourquoi. Vous aurez de très bonnes places, donc vous devriez pouvoir bien en profiter. J'aimerais trop. Le coiffeur appelle tout à coup Imchan, qui m'offre un sourire d'excuse. Passez une bonne soirée. Je le remercie, puis il s'éclipse, l'air toujours aussi doux, réservé et d'un brin gêné. Aniel, en revanche, semble parfaitement à l'aise. Ça m'étonne même pas. C'est ses cheveux chocolat aujourd'hui. Ok, il a les cheveux bruns aujourd'hui du coup. J'ai le temps d'apercevoir les ailes tatouées sur ses omoplates avant qu'il ne pivote vers moi. Je suis contente. Je suis contente de vous voir, j'espère que le concert vous plaira. Son enthousiasme me donne envie de croire qu'il est réellement heureux de notre présence. Que ce n'est pas du cinéma. Il se baisse tout à coup pour fouiller dans un sac posé sur le sol. Il s'approche ensuite de moi avec un grand sourire et me tend une enveloppe. Quoi ? Oh ! Tu voudrais bien donner ça à ma petite sœur ? Vous allez être assises dans le même coin. Bien sûr. Ah, j'ai eu une bonus. Peut-être que j'ai une illustration de lui. Mais comment est-ce que je la reconnaîtrai ? Je commence à paniquer un tout petit peu. Elle te ressemble beaucoup, comme Claire et Colin ont un indéniable air de famille. Oh non, on se ressemble plus du tout. Elle est con.
Ce tic sur l'emploi de la négation plus au lieu de pas. Mais il reprend déjà souriant, toujours en posant l'enveloppe sur ma paume. Je vais lui envoyer un message pour lui dire de venir te parler. Tu seras sûrement la seule européenne, donc elle ne pourra pas se tromper. Ça se tient. Il me souhaite un bon concert avant de repartir pour finir de s'habiller. Je le suis à un instant du regard. Il est enveloppé d'une aura de grâce et de lumière. Des mèches chocolat s'échappent de son chignon et tombent sur ses épaules pâles. Je distingue mieux maintenant son tatouage en forme d'aile et je n'ai jamais eu bien l'occasion de scruter sur vidéo. Oh, une voix me tire sur de ma contemplation en me faisant sursauter. Ça y est, comme je l'ai dit à ma sœur, dans la zone des invités, il y a aussi des étrangers. Il mine des guillemets sur ses doigts, avec ses doigts. Notamment deux ou trois fans qui ont gagné un concours et à qui l'agence a offert cette expérience VIP. Du coup, si je peux te demander de ne rien dire de privé, bah je m'en doute. Les guillemets reviennent dans sa voix et les mouvements de ses doigts. Tandis que vous êtes là-bas. Ça coule de source. Et si on parle en français... Je sais pas. Colin sourit de son sourire vrai, celui qui arbore. Ah, j'ai encore eu un truc, bon ça va. Qui l'arbore dans l'intimité de son appartement. Oh, putain, je sais plus parler. Celui qui me rappelle mon cousin enfant. Oh, ce sourire est différent de celui qu'il porte toujours en public, qui s'étale sur internet et sur les lentilles des caméras. Merci beaucoup. Alors que mon cousin va retrouver Claire, mon regard se pose sur Ja. Qui vient de s'asseoir à la table de maquillage. Dans le miroir, les yeux bruns du chanteur tombent sur les miens. Non, oh, elle va pas toujours rougir, hein. Je souris, je suis si souriante. Je me scrute encore un peu, tandis que je fais de même en observant la maquilleuse lui poudrer le visage. Soudain, sa voix se fait entendre, il s'adresse à moi. Oh, tu apprécies nos chansons? Oui, je trouve que vous avez du talent. Son sourire éclair se reflète dans la glace. Je suis assez d'accord. Je me concentre sur lui davantage encore en tentant de détecter ce qu'il est sérieux. Son visage ne donne en tout cas pas l'impression qu'il plaisante. Je sais qu'on peut me taxer de ne pas être objectif puisque je suis concernée. Mais je pense qu'on est le meilleur groupe sur la scène K-pop actuelle. Et on a encore une très grande marge de progression. Tu n'es pas d'accord ? Et me prendre court, je ne sais pas quoi répondre. J'inspire. Putain. Oh. Non. Si, je suis d'accord. J'imagine qu'un assentiment est ce qu'il veut entendre, donc il ne s'étonnera pas de mon enthousiasme. Il n'aura pas l'impression que je suis une grosse fan à fuir à tout prix. Je bug un peu. Je suis juste plus prudent de ne pas lui dire que j'aime bien 21 June également. Mon petit doigt me dit qu'il n'aurait pas trop envie qu'on lui parle de leur gros rival. C'est vrai que... Il y a comme une sorte de guerre entre les deux groupes et entre leurs fans respectifs, pardon. C'est pas la même chose. Et puis, ce n'est pas une grande entorse à la vérité. J'aime vraiment ce que fait Third Star. Sans compter que je tiens à soutenir le groupe de mon cousin. Déjà me sourit une nouvelle fois dans le miroir, mais son regard s'est encore resserré. J'ai l'impression qu'il me transperce. Ouais. Tu devrais apprécier le concert de ce soir, donc. Sans sourire. Il paraît que vous avez l'habitude d'emmener le public avec vous dans les étoiles. Il rit malgré le pinceau du maquilleur sous ses yeux. Tu es bien renseigné, c'est vrai. Son sourire et son regard se transforment ensuite en lame. Il a envie de me trucider. Et un jour, on vous apportera même au-delà. Oh, c'est mignon. Ça y va, sorry, mais il faut y aller. Manager Urban nous demande de le suivre jusqu'à la salle. Elle me prend le coude et approche son visage de mon oreille pour... Je suis pas prête à faire tout ce qu'il veut. Je ris avec un brin de surprise. Il t'a tapé dans l'œil, donc? Pas que dans l'œil, viens. Quoi? Quoi?
débile. Est-ce que c'est moi qui a des arrière-pensées ou elle vient vraiment de faire une allusion? Je la laisse m'entraîner jusqu'à la porte où le manager de... Oula. Le manager de Sir Star nous attend, son smartphone à la main. Merci, je vais vous conduire à vos sièges. C'est très gentil de votre part. Comme d'avoir accédé à la requête de mon frère et de nous donner des places. Elle se retourne vers Colin et lui crie un encouragement assorti d'un pouce levé. Fighting! Colin nous remercie d'un geste et nous souhaite encore un bon spectacle. Manad Urban nous sourit quant à lui légèrement avant de nous ouvrir la route jusqu'à la salle, un étage plus haut. Dans le couloir, nous passons à côté de Ginny. Oui! Oula! Qui est appuyée contre le mur, les yeux fermés. Ginny? Ginny? Il a dû sortir pendant que je parlais avec Ja. Il ne porte plus ses lunettes. Jin Seong, il faudrait que tu retournes dans les loges avec les autres et que tu passes au maquillage et à la coiffure. Le danseur sursaute et ouvre les yeux. Des yeux dorés d'une couleur inhabituelle. Quoi? Je ne sais pas s'il porte des lentilles colorées comme Kwang Wan, le leader de... 21st June aux iris orange. Oui, je sais qu'il est temps. Il me regarde et j'ai l'impression de recevoir une vague de tristesse en plein visage. Je cligne des paupières, mais lorsque je les rouvre, j'ai l'impression d'avoir rêvé. L'expression de Ginny n'est que gentillesse. On vous promet du beau spectacle. On a tous travaillé dur pour peaufiner cette nouvelle mouture de notre show. Arrêtez. Je ne connais pas. C'est moi qui n'ai pas assez expérimenté, si je puis dire. On espère être à la hauteur de nos préparatifs et de nos ambitions. J'ai l'impression d'entendre un enregistrement. What? Mais c'est dégueulasse de dire ça. J'ai envie de l'encourager, bien sûr. Oui, j'ai encore eu des trucs. Au cas où je n'ai pas rêvé tout à l'heure, j'ai bien perçu qu'il était triste. Oui, bah là ça se voyait. Hein. Peut-être craint-il de ne pas être à cette hauteur qu'il évoque, ou peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle plus tôt dans la journée. Quoi qu'il en soit, je veux essayer de lui remonter le moral. Je sais que ses interviews et de l'impression qu'il m'a laissé après notre première rencontre, qu'il est vraiment gentil. Mais oui. Il mérite qu'on lui renvoie la même gentillesse en essayant de lui rendre le sourire si ça ne va pas. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je suis sûre que ce sera grandiose et je me réjouis de voir ça. Si tu veux le voir, amène ta fraise, car Manad Urban a sûrement d'autres chats à fouetter que de jouer les guides. Claire tire à nouveau sur mon bras et je jette des regards d'excuses à Ginny. Mon courage et déjà merci pour le spectacle. Merci et bon amusement à vous. J'emboîte le pas à ma cousine et Manad Urban dans les couloirs. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le mur où Ginny était appuyée. Mais le danseur est déjà parti. Waouh! Quand nous déboulons dans la salle déjà à moitié remplie et à forti. Eh, stop! Fortiori, Commander Durban nous amène à nos places. J'ouvre des yeux immenses. Nos sièges sont des tabourets placés entre deux parties de la scène, le long du podium qui relie celle-ci entre elles. Je galère à lire. Nous sommes séparés de la fosse et des barrières. Les fans s'y. Je presse déjà par milliers pour être proche de leurs idoles. Je suis pas proche, j'ai dit en anglais. Habitude. Ils s'agglutinent au plus près des deux scènes et qu'ils le peuvent. Et nous, lorsque Madame Durban nous laisse à nos sièges, je regarde autour de moi d'un regard émerveillé. Jamais je n'étais aussi bien placée à un concert. Et jamais je n'ai rêvé non plus de pouvoir assister un jour à un show de K-pop d'un tel emplacement privilégié. De Paris, je pensais que ce serait impossible malgré mon cousin dans un groupe. Face à moi, de l'autre côté de la parcelle, qui joint les scènes dans... Oh là là, pardon. Dans la seconde moitié de la zone VIP, je remarque des visages familiers. Sora, l'une des plus grandes célébrités de Corée du Sud, ex-membre du groupe Sun. Maintenant superstar en solo. À côté d'elle, je reconnais Manager Kim, le manager de 21st June, que j'ai déjà entreaperçu dans des vidéos.
J'ai vraiment l'impression d'avoir été transportée dans un autre monde. Toujours sur ton petit nuage. Radieuse et un peu à court de mots, je me tourne vers ma cousine qui s'exprime à présent en français. Oh oui, j'ai tellement hâte que les lumières s'éteignent maintenant. Oh, oh non, sérieux? Ok, on aura une vidéo plus longue. C'était pas gentil de faire ça. Chapitre 6, rêve étoilé. J'ai pas lu. Je suis désolée, mais du coup, on ira voir après. Attendez, si. J'ai eu Aniel. D'accord, donc j'ai eu Raon, là, qui nous a fait une scène. J'ai encore eu ça. Ok, bah voilà. Continuons. La vidéo va être très longue, j'espère que je vais cutter le plus possible. Ça va être un plaisir. Reprendre, c'est parti, on continue. Combien de temps attendre encore, tu crois? Claire passe un bras autour de mes épaules et me répond toujours en français. Seulement 2 minutes de moins que la dernière fois que tu m'as posé la question, Saywa. Désolée, mais je suis tellement impatiente. Autour de nous, la salle s'est remplie. Je ne vois plus aucun siège libre. Même en me mettant debout sur la pointe des pieds, en me dévissant la tête de tous les côtés. L'excitation est presque palpable. Elle vibre et fait comme une coupole au-dessus de nous. De mon tabouret, j'essaie tant bien de mal de ne pas trop dévisager le manager de 20 was June et surtout Sora assise à ses côtés. On peut voir à quoi elle ressemble. Je remarque pas mal de fans dans les gradins qui la prennent en photo ou l'observent avec des mini jumelles, mais je ne me vois pas les imiter. Ah, je crois que voici la sœur de Aniel. La main sur mon épaule, ma cousine me fait pivoter à 180 degrés. T'arrives à calculer ça, d'accord. Je me retrouve face à une adolescente coréenne qui, en effet, comme son frère nous l'avait dit, ne lui ressemble pas du tout. Plus du tout. Elle a un visage rond, des yeux très bridés et un tout petit nez. L'adolescente s'incline pour nous saluer, puis s'approche très timidement de nous, une main devant la bouche et l'autre tendue. Je lui dis bonjour. Elle me regarde alors d'un air craintif, comme si elle n'osait pas avancer davantage vers moi. Oh non! Ses doigts sont déployés devant sa bouche en paravent et sa tête s'est inclinée. Un peu embarrassée, je lui tends l'enveloppe que m'a donnée Aniel. J'ai peur qu'elle n'ose pas la prendre et qu'elle finisse par s'avancer et par la saisir à deux mains. Elle me salue ensuite et part en courant vers une dame et une autre jeune fille, assise juste à côté de la première scène. Je me tourne vers ma cousine, un brin perplexe. Tu crois que je l'ai traumatisée? Elle doit être impressionnée que tu... Parce que tu es une étrangère et tu... Et elle... Et doit avoir eu peur que tu lui parles en anglais. Habitue-toi car beaucoup de jeunes coréens n'osent pas parler anglais. Oh non. Ils ont donc des difficultés à aller vers les étrangers à cause de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sympathiques et pas ouverts. Et surtout, ce n'est pas du tout contre toi. Pas qui c'est. Oh, elle parle en français, c'est merveilleux. À cette exclamation en coréen, juste à côté de moi, Claire et moi ne pouvons pas nous empêcher de nous tourner dans la direction de la voix. Nous nous trouvons face à deux jeunes femmes de notre âge, elles aussi assises dans la zone VIP. Des vraies françaises. Who are you? Avant que nous n'ayons pu répondre quoi que ce soit, elle s'exclame encore en dévisageant Claire. Oh, mais tu ressembles à Colin. Et tu es métisse. Tu ne serais pas sa sœur par hasard? Tu as les mêmes cheveux blonds que lui et les mêmes yeux noisettes. C'est une autre fan. Elle arbore en effet un t-shirt du fan club et des étoiles aux oreilles, sans oublier le lastique ad hoc posé sur ses genoux. Colin est mon préféré, même si je les aime tous. J'ai commencé à apprendre le français d'ailleurs, déjà que j'adorais cette langue de base. J'ai même déjà été à Paris et à Strasbourg. C'est super flippant. Claire me jette un petit regard de connivence. Non, dis pas que c'est ça. Putain, elle parle en allemand là. Mais. Vas-y! Ouais, vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de parler allemand. Ouais! Non, mais elle est sérieuse, la voilà qui passe à l'allemand maintenant. Heureusement que j'ai étudié quelques mots au collège.
Je hoche donc la tête pour lui indiquer que j'ai compris. C'est vrai que Colin nous avait prévenu que certaines de ses fans apprenaient le français. Il faut donc faire très attention à ce que nous disons, même dans cette langue, et surtout ici en pleine galaxie. Tu as raison, je suis bien la sœur cadette de Colin. Je pensais qu'il fallait pas le dire. Je crois qu'il est en effet utile de le cacher, vu la ressemblance entre mes deux cousins. C'est vrai. Et toi, tu es ? Je m'appelle Chaiwon. Je suis une comète pour la vie, jusqu'au Big Crush au minimum. La jeune fille nous sourit avec enthousiasme. J'ai gagné cette place de choix parce que j'étais la première à acheter le repackage de l'album Constellation qui est sorti il y a 3 semaines. J'ai dormi devant le magasin à Séoul pendant 4 jours. J'ouvre des grands yeux en entendant cela. Je n'aurais fait jamais de truc pareil. Bah non, j'aurais jamais fait un truc pareil, mais bon, ça fait bizarre. Si je vais faire ça, même si je voulais le faire, je ne pourrais pas. Il y aurait les cours, les obligations et les... Puis les questions pratiques comme manger, aller faire pipi, dormir sur le sol et ne pas mourir de froid. Bon ok, pour le froid, il fait torride ici en ce moment, donc c'est pas un problème. Non. Je suis si surprise par le fait que Chaiwon ait pu faire cela sans souci et que je ne peux pas m'empêcher de demander des détails. Tu n'as pas eu de problème pour aller en cours ? Je travaille en fait, je suis laborantine à Busan. Alors j'ai pris des congés, ça valait le coup pour être ici. Je réserve tous mes jours de vacances pour le groupe et je prends même aussi des congés sans solde quand j'en ai pas assez. Vous voyez, ça se pointe que je les aime. Et elle ? Chaiwon passe le bras autour des épaules de la deuxième fan, assise à ses côtés un peu plus loin de nous. Elle a acheté 32 rééditions pour être tirée au sort afin de pouvoir avoir sa place en VIP aujourd'hui. Et comme c'est moi qui avais déjà eu le ticket du premier album parce que je l'ai battu de vitesse pour aller m'installer devant la boutique, elle sourit avec amitié à l'autre jeune femme avant de tourner à nouveau la tête vers nous. Si ça ne sont pas des vrais fans, cette fois elle regarde Claire spécifiquement. Son visage et ses yeux sont toujours très souriants. Elle a l'air très sympathique, très ouverte, avec le contact facile et l'enthousiasme communicatif. Tu pourras dire à Colin que les comètes sont prêtes à tout pour soutenir Sir Star au maximum. Au minimum. Qu'il s'inquiète pas pour leur nouvel album qui sort en début d'année. On lui fera rafler tous les prix sans souci. Ses yeux font une fois de plus un aller-retour vers l'autre coréenne. Mi-young et moi, on s'est connus parce qu'on était toujours au premier rang pour tous les événements du groupe, toutes les deux. Je porte une attention plus soutenue à la seconde jeune femme, Mi-young donc, qui paraît l'antithèse de Chaiwon. Elle reste en effet silencieuse en nous observant seulement derrière sa frange noire. Elle est sans doute timide ou, comme Claire l'a expliqué tout à l'heure, a peur de devoir finir par parler anglais avec moi qui suis étrangère. Je la trouve en tout cas très jolie avec des traits très délicats. Par contre, je n'aime pas sa robe. C'est quoi ça ? Pourquoi tu juges ? Moi, j'adore. J'aime trop le style là. Je la vois tout à coup froncer les sourcils, les yeux fixés sur mon sac à main. Oh. Tu as eu les lentilles de Taeyong à l'extérieur de la salle ? Je m'attendais pas du tout à cette interrogation. Oui. Et toi ? J'ai celui de Jin Seong. Oh, elle a eu Jinny ! Montre-moi ! Mais Taeyong est mon préféré. J'aurais bien voulu recevoir le sien. Même pas en échange, hein, par contre. c'est une façon de me dire, viens en échange ! Moi, j'aime bien Jinny aussi, mais je veux Aniel. C'était sûr. Tu voudrais bien faire un échange avec moi ? Choix déterminant ! Ah ! Ah ! Ah, peut-être par rapport à notre préféré. Je préfère quand même garder celui d'Aniel. Alors, je suis désolée, mais j'adore Aniel. Je préfère garder celui d'Aniel. Moi aussi, je l'aime particulièrement depuis le début de ma vie de fan. Désolée. Et puis, on m'a donné celui-là. C'est un souvenir de mon tout premier concert de Sir Star. Alors, j'y tiens un peu. Excuse-moi, mais ça ne va pas être possible parce que j'aimerais bien le garder. À la seconde où ma phrase, je vois déjà sa figure s'attrister. Oui, bah c'est bon, au bout d'un moment. Non, mais... Ça me saoule. Laissez-moi avoir mon Aniel. Je veux pas paraître méchante, mais...
Mais Prout, voilà, j'ai pas d'argument. Décevant, pas le temps de me demander de quoi faire ensuite. En une fraction de seconde, j'oublie Myung et les éventails. Les lumières s'éteignent d'un seul coup dans la salle, tandis que le public commence à hurler en plein poumon. Claire m'attrape par le bras pour me remettre dans le bon sens face à la scène. Elle crie aussi dans mon oreille. C'était au moment de... attendu depuis si longtemps. Profites-en à fond. J'espère que je vais pas tomber dans les pommes. Dans les pommes, pardon. Ça, j'y compte bien. Et si demain, je n'ai plus de voix, tant pis. Ça en vaudra la peine. Et le thé au miel, comme les pastilles, sont faits pour ça. Je ris, mais je sens la nervosité enflée dans ma poitrine. Alors que les fans continuent à hurler de plus belle. Il y a l'autre en train de déprimer parce qu'on lui a pas donné le truc. Près de nous, Chaewon s'agite aussi. Toute impatiente. Mais je me suis pas trompée, alors pourquoi je me reprends? Alors que le début du concert est maintenant une question de secondes. L'excitation est également près de me submerger dans cette ambiance particulière. Sonnant les écrans géants de part et d'autre de la scène s'allument et des cris montent comme un seul verre de plafond. Le plafond de la salle, pardon. Tout de suite après, nous sommes à nouveau plongés dans le noir. C'est comme des montagnes russes émotionnelles. Les lightsticks jaunes pâles s'agitent de tous les côtés, on dirait une tempête d'étoiles. Oh! Je ne m'en prive pas non plus, j'essaye quant à moi de me contenir. Oh, on s'en fout! Je n'ai pas de lightstick, mais je lève le bras en souriant comme je n'ai jamais souri. Oh! Sur les écrans s'illumine alors un magnifique ciel nocturne et étoilé. Puis 5 étoiles filantes font de la nuit. Je ne peux pas détacher les yeux des traînées brillantes qui glissent sur leurs écrans. Les étoiles donnent l'impression de se diriger tout droit vers la Terre. À chaque impact, l'un des membres du groupe apparaît sur les écrans, comme s'il sortait d'un brouillard créé par la poussière de l'étoile. Ah! D'abord Juni, puis Imchan, Colin, Jia, et enfin Aniel. Ah! Chaque apparition provoque des cris aigus et enthousiasme et ému. Oups, j'ai fait un peu la même chose. Chaewon et Myung ne sont pas en reste près de moi. Je crée aussi. Je m'en fous. Je vais exiger. Dès qu'elle pourra crier, elle criera. Je m'époumonne à mon tour pour faire savoir ma joie d'être présente. Claire bat également des mains et crie surtout le nom de son frère avec un grand sourire. Quoi là ? Chaewon me prend le bras comme si elle me connaissait depuis des années. Ok, la fan attitude est à ce petit quelque chose qui lie les gens décidément. Les écrans deviennent soudain noirs d'un seul coup une nouvelle fois. Puis des bouts de paroles apparaissent avant de s'effacer peu à peu. En fond, la musique... Sans chant, résonne et fait monter la pression. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Si Sir Star n'apparaît pas rapidement devant nous en chair et en os, je crois que je vais finir par faire une crise d'apoplexie. Je sais pas ce que... Enfin, les projecteurs se braquent sur le fond de la scène et dévoilent les 5 membres du groupe, alignés les uns à côté des autres. Les cris redoublent. Myung laisse échapper une exclamation impatiente qui vrille mes oreilles. La voix de Jazz et les valeurs sans musique mais puissantes. L'ensemble de la salle de concert est comme transporté alors que le silence se fait dans le public pour l'écouter. Les voix des autres rejoignent Jazz pour le refrain et la première chanson du concert est lancée. C'est la ballade de la récente réédition de leur album Constellation. Je sais pas si ça se prononce aussi en anglais ou si c'est la même chose en fait, pardon. Une de mes chansons préférées. Tout à coup, le groupe s'éteint, et je comprends qu'un moment de fan chant est arrivé. C'est vrai. Mes lèvres se mettent à bouger d'elles-mêmes, comme celles de mes voisines. Il me semble que de l'autre côté du podium, où je glisse très vite les yeux, même Sora reprend les paroles en cœur. Je prends la main de Claire dans la mienne, je braque ensuite à nouveau les yeux sur la scène encore incrédule. On pourra prendre la main de notre cousine. Comme une façon de bien ancrer la réalité, peut-être. Ma cousine me jette un regard et sourit de toutes ses dents. Oui, c'est ouais, je t'assure, tu es bien un concert de Sir Star. Je ne réponds pas, portée par la musique. Il y a une musique.
que vous n'entendrez pas malheureusement parce que j'ai pas activé le son, je suis désolée. Mais déjà la deuxième chanson arrive. Elle est beaucoup plus rythmée avec une chorégraphie travaillée et éblouissante. Mettez moins fort parce qu'après ça me déconcentre pour lire. Ok, voilà, comme ça devrait aller. C'est d'abord Aniel qui est au centre, les autres légèrement en retrait derrière lui. Tous enchaînent les pas avec précision au millimètre. Ils sont en parfaite synchronisation et Aniel laisse sa place à Colin qui commence à rapper. Son flow est encore plus impressionnant en live. Je me demande même comment il fait pour enchaîner en donnant l'air de ne plus avoir besoin de respirer. Un flot de fierté familiale m'envahit en songeant qu'il est mon cousin et qu'il est capable de telles prouesses. Après le rap de Colin, la chorégraphie monte en intensité. C'est Ginny qui est à présent à l'avant alors que les pas ultra rapides s'enchaînent toujours et en parfaite harmonie. C'est vraiment impressionnant et Ginny n'a presque plus rien à voir avec le jeune homme passe-partout dans son appartement. Maintenant, il mène littéralement la danse, vif comme l'éclair, précis, gracieux, et il irradie l'assurance. Lorsque Inchan souffle le dernier mot de la chanson, les lumières s'éteignent et les cris retentissent. Les projecteurs se rallument. Nous passons ensuite à une chanson entraînante aux paroles positives qui me met de bonne humeur et me donne envie de bouger. Le genre de morceau à mettre pour se donner du punch le matin ou quand on a un coup de déprime. Tant de bonne humeur et d'énergie se dégagent de tout le monde. Autour de moi, oh, j'en peux plus de bugger. Paraît se sentir bien au bord du rire. Tu me fais sourire. Cette chanson terminée, les membres du groupe saisissent des petites bouteilles et boivent un peu d'eau. Colin touche dans le même temps le micro devant sa bouche. Il s'avance sur le podium qui plonge dans la fosse. S'arrête presque devant nous. Attention, c'est le moment confession de Colin. Comme à chaque fois que je suis en face de vous tous, j'ai du mal à trouver les bons mots pour vous remercier d'être présents encore et toujours. Que de chemin parcouru depuis notre premier single, et tout ça grâce à vous. Mais aussi à ces quatre-là. Colin passe un bras au-dessus de l'épaule de Imchan, qui l'a rejoint et sourit. Aniel et ses innombrables cactus qui sont presque comme le sixième membre du groupe au point où on en est. Il faudrait renommer le groupe Cactus City. Pardon, c'est Aniel qui a dit ça. Des rires éclatent de toutes parts alors que le groupe marche vers la deuxième scène. Étoile à cinq branches qui s'avance presque jusqu'au gradin. Inchan, dont la gentillesse et la patience continuent encore à me surprendre chaque jour. Inchan se tourne vers Colin et lui sourit aussi, avant de faire un petit signe vers le public. Ginny, qui m'impressionne chaque jour un peu plus par son talent et son ouverture d'esprit. Dia, qui a son petit caractère, mais sur qui je sais que je peux toujours compter. Cette phrase résonne un peu différemment pour moi, après ce que j'ai vu quelques jours plus tôt dans l'appartement. Malheureusement, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Je me demande si mon cousin pense ce qu'il dit. Dia, de son côté, contente d'avoir un mouvement désinvolte de cheveux et avec un sourire en coin complice. Et lui, feint-il cette complicité ou la ressent-il vraiment malgré leur tempérament qui clash peut-être parfois? Colin revient dans l'autre sens sur le podium et les fans dans la fosse tendent les mains vers lui. Mais c'est surtout parce que vous êtes là, depuis la première seconde, chère Comète. Parce que vous nous avez soutenus dans tout ce qu'on a fait, depuis notre début. Sans vous, nous ne pourrions pas fouler cette scène ce soir. Alors tout ce qu'on a fait après jour, c'est pour vous remercier. Colin pose une main sur son cœur, comme pour bien appuyer ses propos. Il paraît ému, les cris redoublent autour de nous. À nos comètes, merci du plus profond du cœur. Bon, nos cœurs. Oups. Disséminés un peu partout sur les deux scènes et le podium, les autres membres du groupe paraissent également touchés par les mots de leur leader. Eux aussi placent leurs paumes du côté gauche de leur torse. De leur torse avant de tendre le bras vers le public comme s'ils lui offraient leur cœur.
Le mien bat d'émotion en ce geste. Sans être sûr. Oui! Merci! Je fais un peu une voix d'enfant, mais pardon. Agnès a crié en basculant la tête en arrière, et les dernières notes de ce long remerciement se sont perdues dans les acclamations ardentes de la foule. Oh, je vais aller voir. Oh! Pardon, je me calme. Respirons tous ensemble. Nous espérons tous que vous appréciez ce concert inédit. Prélude à notre prochaine tournée. Sachez qu'il vous est entièrement dédié et qu'il est notre façon à nous de vous dire merci. Ginny s'incline face à l'auditoire tandis que Inchan le rejoint et place une main amicale sur son bras. Merci de nous aider à toujours être de meilleures personnes et de nous accompagner dans tous nos moments bons et mauvais. On n'aurait pas pu rêver de meilleurs fans que vous. Inchan sourit d'un sourire très doux avant de faire le signe du cœur coréen. Oui! Des doigts. Je jette un regard autour de moi et aperçois plusieurs fans en train de pleurer. Oh non! Je trouve ça un peu extrême quand même. Mais c'est quoi ce jugement? Je me sens moi aussi au bord des larmes. Je le suis depuis le début et j'ai vu tout le chemin parcouru qu'ils évoquent. Je me sens incroyablement fière d'eux et je suis heureuse d'avoir pu participer à leur succès. La façon dont ils attribuent leur réussite à leur public avec humilité est en outre très touchante. C'est difficile d'empêcher sa gorge de se contracter. Chaewon, qui serre Mi-young d'un bras, sanglote carrément. Et maintenant, en place pour la suite. Vous êtes prêts, les comètes? À l'exclamation, puis à la question de Dia, décrivez les deux « Oui !» Exalt crève presque le plafond de la salle. L'élastique s'agite également de plus belle. Le main vocaliste crie et en réajustant son micro devant ses lèvres. Agnès, qui tourne sur lui-même sur scène, les bras en croix, arrête sa valse à côté de Dia et passe un bras léger autour de son cou. Alors c'est parti, direction des étoiles! Et pour un aller simple seulement, tous plaquent les doigts sur leur bouche avant d'envoyer quelques baisers vers le public. Puis de courir vers les côtés de la scène. Ils disparaissent dans les coulisses. Nous avons le droit à une vidéo où on voit les garçons assis le sable d'une plage de la nuit. Ils font cuire des choses que je ne reconnais pas dans les flammes d'un feu camp tout en discutant. Oh. Puis leur repas terminé, ils éteignent le feu et s'allongent sur le sable pour regarder les étoiles. Des vues du ciel se succèdent avant qu'on voie se relever et proposer d'allumer des bâtons d'étincelles. Une seconde plus tard, ces feux d'artifice miniatures pétillent dans leurs mains et éclairent leurs visages. Les cinq garçons marchent vers les vagues. Ensuite, tout se mélange à l'écran, les étincelles et l'eau. De chaque côté de la scène, des compositions pyrotechniques s'allument pour de vrai. Je cligne des yeux face à cette lumière incandescente. Au même moment, des paillettes bleues, argent et transparentes tombent du plafond, comme des gouttes de pluie. Le mélange est féerique, irréel. Et lorsque les membres de Star Stars changent et apparaissent derrière l'effet d'artifice, eux aussi semblent venir d'ailleurs. La musique reprend alors, les chansons et chorégraphies également. Le discours de Colin de tout à l'heure avait l'air d'avoir galvanisé les comètes, car les laïcs s'agitent en rythme sans jamais se lasser. C'est une véritable marée d'astres jaunes qui défraient sur ces houles ce soir. Lors des pauses instrumentales dédiées aux fans chantent l'auditoire, mettant de cœur à reprendre les paroles, il m'est impossible de me retenir. Moi aussi je chante à plein poumon, sans jamais hésiter, ces mots que je connais. Je vois que Colin, lors d'un de ses innombrables passages devant nous sur le podium, rit en me voyant se transporter. Te comprends ma gueule. Le groupe bouge beaucoup sur les deux scènes, et le concert est également très interactif, et avec beaucoup de moments de parole. J'ai l'impression que la scène file à la vitesse de la lumière. Vite, viens ensuite. Déjà, l'instant des solos, où chaque membre seul en scène interprète un morceau particulier.
Annette divise sa performance entre chant et danse, si gracieux et angélique qu'il mérite une fois bien plus de son surnom. Colin rappe sur la majeure partie de la sienne. Inchan chante quant à lui une ballade. La chanson de Jack, qui a une présence phénoménale et dont la voix est incroyable, fait se dresser les poils sur mon bras. Oh, Ginny! Quand vient le tour de Ginny, celle des lumières blanches en... Stop! éclaire la deuxième scène en étoile. Partout ailleurs, la salle est plongée dans un noir d'encre. Une musique instrumentale coule des haut-parleurs alors que deux rubans se déroulent du plafond et tombent mollement sur la scène. Quelques secondes plus tard, à la stupéfaction de tous, Ginny descend des rubans comme d'un oiseau et qui s'accroche à des branches. Il tourne, vrille sur lui-même et s'arrête avant d'avoir touché le sol. D'un mouvement fluide, comme s'il avait habité dans les airs toute sa vie, le danseur enroule un ruban autour de chacun de ses biceps et se renverse. J'ai bugué. On dirait qu'il est sur un trapèze, mais il n'a rien de tout. Il n'y a rien sous son bassin. Rien non plus sous ses pieds. Juste les rubans attachés à ses bras et puis enroulés autour de ses cuisses. À certains moments où la musique devient presque plus douloureuse, il y paraît comme un filet ligoté. À d'autres où les notes s'envolent et il devient presque aussi aérien qu'elle lorsqu'il tournoie dans les airs avec une grâce et légèreté incroyables. Je suis incapable de détacher mes yeux de lui et de dans ses sobres. Mais stop, je sais pas comment ça se dit. Faisceau de lumière blanche. De son visage aux yeux fermés tout le temps qu'il danse. L'intégralité de la scène retient son souffle autour de moi, suspendu à sa performance, comme Ginny l'est au ruban. C'est au tour de Claire, dont les yeux sont ouverts comme des soucoupes, de serrer ma main. Je suis moi aussi subjuguée, c'est beau, mais j'ai quand même hâte de revoir les autres. Je suis moi aussi subjuguée. Wow! Ja avait raison lorsqu'il disait qu'on allait en prendre plein des yeux. Je n'avais rien vu de similaire à cette danse aérienne. Le temps s'arrête et c'est avec beaucoup d'étonnement que je vois soudain Ginny disparaître au plafond et les spots se rallumer. Arborant une fois de plus de nouvelles tenues, les cinq membres de Sir Star reviennent pour un up-tempo qui donne furieusement envie de bouger. J'ai presque l'impulsion de bondir en bas de mon tabouret pour sauter dans tous les sens. Sur le podium juste en face de moi, Colin est collé à une chaîne à passer son bras autour de la taille de son meilleur ami. Leurs deux corps se fondent presque l'un dans l'autre comme s'ils étaient ici à moi. Et je dois me rappeler que cette proximité est tout à fait normale en Corée. Tout à fait normale. Ceci étant dit, les chippeuses du coach-chan vont sans doute être folles en voyant ça. Je suis pas une vraie chippeuse à moi. Je pense que je vais dire ça pour avoir une illustration. J'avoue que je laisse moi aussi mon imagination partir en roue libre de temps en temps. Je passe le bandeau à Jia, car c'est lui qui commence à chanter après Jean. Je le fixe un instant, même si Jia commence à chanter et... Autant pour moi, c'est ce que je pensais. Je me disais bien que c'était obligé qu'il y ait une illustration des deux. Ok, bon, bah je garde ce choix. Les deux garçons sont juste sous mon nez sur la passerelle et je vois bien, donc très bien ce qui s'y passe. Il me semble que soudain Colin s'est un peu affaissé et que son visage souriant pendant tout le reste du concert s'est altéré. Comme s'il ne s'en sentait pas bien. Oula. Et moi je sens Claire se tendre à son tour. Vu le visage plutôt fermé de ma cousine, je préfère garder ma question pour moi. Colin de toute façon a déjà retrouvé un visage plus détendu et me dit que peut-être je me suis inquiétée pour rien. Et je me dis pardon. Le concert continue vers son terme et les membres du groupe donnent tout ce qu'ils ont. C'est vraiment impressionnant à voir en live, car sur les vidéos de concerts que j'ai visionnées avant, on se rend difficilement compte de tous les détails. Ils se démènent pour nous donner un show fantastique. Je vois tout le travail qu'il y a derrière, toute la sueur versée. Sir Star mérite tellement d'être arrivé là où ils sont. C'est presque à regret que je sens approcher la fin, alors qu'ils entament leur dernière chanson puis leur rappel.
Quand la dernière note retentit, ce sont des tonnerres d'applaudissements qui prennent le relais. Tous les membres du groupe se sont approchés du devant et de la scène, main dans la main. Ils ont l'air exténués, mais heureux et émus d'un tel amour, d'un tel soutien. Colin appuie à nouveau son micro vers sa bouche. « Nos comètes, merci de votre présence ici ce soir, nous a fait énormément de bien. Vous avez toute notre reconnaissance et on espère qu'on a été là à la hauteur de ce que vous nous avez apporté. » Les applaudissements toujours au plus fort l'accompagnent. Les autres membres du groupe enchaînent l'un après l'autre, alors que les plateaux les font monter chacun à des hauteurs différentes. On espère aussi bien sûr vous revoir au plus vite, en faisant toujours mieux, en allant toujours plus loin. On sait que vous serez toujours tout au long du chemin. On vous aime plus que tout. C'est Aniel sur le plateau le plus haut au centre qui a le mot de la fin avec ce cri d'amour. Les membres du groupe saluent encore le public, courbent la tête en signe de gratitude. Je n'ai pas envie que ça se termine, prise dans l'euphorie de l'instant. Mais là, je me rendre à l'évidence. Mon concert de Surstar vient de s'achever. Le retour sur Terre risque d'être un peu compliqué car sortir de cette bulle euphorique ne me fait pas du tout envie. Le groupe disparaît derrière de nouveaux feux d'artifice miniatures, puis les lampes se rallument dans la salle. Les excitations heureuses et pleines d'émotions des fans se remplacent la musique. Je n'ai pour ma part pas vraiment le temps d'atterrir en tout inquiétude, car Claire me prend abruptement par le bras. Elle retombe toujours sur les pierres sur terre beaucoup plus vite que moi. Saïwa, viens, on va retrouver tout le monde en coulisses. J'étais toujours dans les étoiles, je m'apprête à me faire violence pour la suivre. Mais les plans de ma cousine sont interrompus par Chaewon qui vient d'essuyer les larmes sur ses joues. C'est tellement merveilleux, mon dieu. J'ai déjà tellement hâte d'être au prochain concert ou au prochain événement du groupe. Est-ce qu'on vous reverra toutes les deux? Je sais pas. Sûrement. Maintenant que je suis curée, je compte bien en profiter tout mon soul. Moi aussi. Super, je serais contente de vous y retrouver. Myung occupée à lire des messages sur mon smartphone ne dit rien. Je crois qu'elle me fait la gueule. Au fait, est-ce que je peux vous demander un... C'est le cas? Je ne veux pas avoir l'air impoli ou méchante, mais je ne sais pas trop ce que Colin en penserait. Il nous a après tout demandé la prudence dans nos interactions avec les fans ici. Mais ma cousine ne paraît pas avoir de telles reverses. On dirait plutôt qu'elle est pressée d'en finir, sans doute pour aller retrouver son frère. C'est vrai, je m'en rappelle tout d'un coup, il avait l'air un peu mal en point tout à l'heure. Moi aussi, je serais soulagée de savoir s'il va bien. Oui, pas de soucis. Quoi, c'est le cas. Elle passe son bras autour de ma taille et me colle à elle sans délicatesse. Ravie, Chaewon s'accroupit devant nous en entraînant Myung avec elle. Attend son bras aussi loin qu'elle le peut et m'interdit notre petit groupe d'un selfie alors que le public commence à quitter la salle. Je te l'envoie sur Kakao Talk si tu veux. L'air toujours pressé, Claire lui donne son numéro d'identification d'un débit si rapide que j'en ai même pas tous les chiffres. Chaewon l'encode cependant sans problème avant que nous ne passions au revoir. À tout bientôt alors. Oui, voilà. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Je n'ai pas le loisir de m'attarder plus longtemps car ma cousine me traque vers la porte par laquelle nous sommes rentrés dans la salle. J'ai juste le temps de voir des gardes du corps entourer Sora pour empêcher que les gens du public ne viennent l'importuner. Je dois ensuite me retourner pour avancer si je ne veux pas finir à terre. Remarqué par Claire, par le col de mon t-shirt. Ça va être tellement bizarre de retrouver le groupe. J'ai moi aussi hâte de retrouver le groupe. Lorsque nous atteignons la porte de service qui mène vers les entrailles du bâtiment et les loges, la silhouette d'un agent de sécurité nous barre la route. C'est sûr. Mais derrière, ces deux managers urbains se profilent également. Ils courent. Ils nous sourient quand ils voient que nous arrivons déjà à sa rencontre. Venez vite, Colin m'envoie vous chercher. Oh. Avec sa permission, nous passons donc à côté de l'agent qui ne nous arrête pas. À nouveau, j'ai la sensation d'être une vraie VIP ultra privilégiée, ou bien de ne pas être réveillée au choix.
Nous suivons Manager Ban dans les couloirs, dans l'autre sens à présent. Le confesseur vous a plu? Oh oui, trois fois oui. Manager Ban rit à mon enthousiasme. Oh, c'est peut-être Manager Ban du coup, c'est ça. Ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait d'accepter de vous donner ces places. N'hésitez pas si vous voulez récidiver. Manager Ban sourit encore, et je vois bien à la tête de ma cousine qu'elle en est enchantée. J'hésiterai pas si le groupe m'en fait la demande. Ce n'est pas grand-chose, mais ça leur fait plaisir ainsi qu'à vous. Merci beaucoup. Manager Ban nous guide dans les corridors, véritable dédale où je ne sais pas si seul j'aurais pu retrouver mon chemin. Par contre, j'espère qu'il n'était pas aussi hardcore le monde derrière la K-pop, mais derrière ce qu'on voit. Mais bon. Nous voici arrivés aux loges dans lesquelles les membres de Sir Star doivent être en train de se changer ou de se détendre. J'ai un soudain accès de timidité, je pousse la porte avant d'avoir réfléchi. Je freine donc des quatre fers jusque devant la porte. Est-ce qu'on risque pas d'en les déranger si jamais ils se reposent? C'est mon frère qui nous a apparemment fait chercher, donc j'imagine que non. En effet, vous pouvez y aller sans risque. Il y a de toute façon plusieurs loges, donc si certains veulent souffler en toute intimité, ils peuvent s'y retirer. D'accord. Alors, Manager Ban pousse la porte et nous le suivons une fois encore. Nous tombons sur une pièce vide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils viendront se désaltérer ici une fois qu'ils se seront changés, ça ne prendra pas longtemps. Claire et moi tirons des chaises sur lesquelles nous asseyons en attendant pendant que Manager Ban va voir les garçons. Ginny et Imchan nous retrouvent les premiers, vêtus de tenues décontractées et des cheveux humides. Ils nous sourient tous les deux avec gentillesse avant de se servir de l'eau. Ça vous a plu? Vous avez profité du spectacle? Oui, beaucoup. Mon frère va bien? Oui, je pense. Il jette un coup d'œil interrogatif à Imchan en portant son verre à ses lèvres. Oui. Moi aussi un brin inquiète. J'écoute les questions de Claire à Imchan. Ce dernier penche un peu la tête sur le côté, l'air lui aussi inquiet à présent. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce qu'à un moment donné, durant le concert, il avait l'air de ne pas aller bien du tout et de devoir s'appuyer sur toi pour tenir debout. Oui, c'est vrai, je crois qu'il était un peu à bout de force. Claire fronce aussitôt les sourcils. Comment ça? Il a très peu dormi la nuit dernière. L'arrivée de Manager Ban coupe la conversation. On va bientôt y aller. Ginny et Imchan nous informent alors qu'ils vont chercher leurs affaires. Son téléphone, comme greffé à sa main, Manager Ban nous regarde, Claire et moi. Maintenant, le groupe va aller passer le reste de la soirée au spa pour se relaxer. Si vous le souhaitez, comme vous êtes de la famille, vous pouvez nous accompagner. Cola l'a à nouveau suggéré. Avec stupeur, je me tourne d'un coup vers ma cousine et passe automatiquement en français. Au spa? Les bains publics, un truc qu'on fait super souvent ici. C'est bien ce que j'avais que comprendre, je ne peux pas m'empêcher de m'exclamer aussi embarrassée que stupéfaite. L'endroit où tout le monde est obligé de se mettre complètement nu en public? Ah, c'était ça! Ok, je vais pas faire trois chapitres là maintenant, parce que ça fait beaucoup, mais j'étais obligée de... Je voulais pas qu'il y ait cette rupture genre de quelques jours alors qu'on allait voir le concert. Du coup, j'ai tout fait en même temps. Là, je m'arrête. Je posterai vendredi la suite. Mais après, je pense que je vais plus refaire deux chapitres parce que sinon ça fait vraiment beaucoup. Je posterai autre chose. J'ai encore deux vidéos à poster et puis je pourrais poster encore des choses. Mais... Vous voyez, du coup, ça va faire très très long au montage. J'assume déjà pas en fait. Du coup, on se retrouve vendredi pour le chapitre 7. Bye bye!